Bonjour et bienvenue les amis, bonne année, bonne santé, tout plein de vœux de bonheur, bref, tout le meilleur du monde. On espère que 2021 sera meilleur que 2020. D'ailleurs, pour commencer cette nouvelle année, on s'est tapé un super délire. Le jeu de Fury tu perds, fameux jeu que vous connaissez tous, la chaîne sera dans la description, fameuse chaîne de Aziz Aboudrar, comédien français que je vous invite à découvrir, il est juste à tort de rire, c'est un pote que je kiffe énormément. Il m'a offert ce jeu à l'occasion du Love Car Event édition 2, événement que j'organise que tu peux suivre sur Instagram, le lien ce sera également dans la description, mais bon, ça bref, c'est pas le but de la vidéo. Salut Jérémy. Salut Jérémy. Le Love Car Event, on kiffe, c'est trop bien. Bref, ce soir, ce qu'on va te proposer à travers cette vidéo, c'est très simple. On va se raconter des blagues. Ce premier qui rigole, il perd. Sauf qu'en plus, il aura un gage. Et le gage, je veux... Monsieur Gage, on peut avoir le gage? Petite bouteille de verveine importée des la montagne. Il est là, ihou. Et ça vaut seulement... Il était pas mal celui-là. 40 degrés. Tu ris, tu bois. Voilà. Et tu vas découvrir ça. Juste maintenant. Le... Match numéro 1. Clément versus Cyril. Bonne chance. Quel est le liquide vaisselle le plus musclé? Le pec citron. Que fait un poète assis par terre? Je sais pas. Des vers de terre. C'est Freddie Mercury qui sonne à la porte de Rocco et qui dit « Rocco, c'est Freddie ». Qui sort? Ok. Allez mec. C'est lui qui va inaugurer la bouteille de l'Elaïo de la montagne, de la verveine. Mais ça fait combien? Ça fait combien de degrés la verveine de la montagne? C'est parti ça. La verveine. Santé. Vas-y, attends, on va te voir à la caméra parce que tu je fais pas semblant de boire. Aglou, 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 aglou. Oh putain! Merci. Touché! C'est moi qui inaugure. Quel tennisman a tout le temps faim? Raphaël Nadal. Que disent les ennemis d'Albator à chaque fois qu'ils perdent? Albator. Faut que ce soit mieux la prochaine, hein, parce que là... Pourquoi les drogués traînent toujours près du métro? Pour être sûr de prendre le bon rail. Il y avait l'image du rail. Bon, si quand je l'ai vu, j'ai failli rigoler tout seul. Quand tu tombes. Merde. Ah oui. Oh putain. Oh, ah, mais non. T'as la main, regarde. Non, 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 pas ça. Il va le faire. Non, mais pas tout ça. RIP. Il y a quelqu'un qui veut. Comme ça, tu vas se lèver les dents. Non, pour l'instant, t'es la... un détrôné là. Il se rince la bouche. Tu fais un gargarisme ou quoi, frérot? Pourquoi Berry ne veut pas jouer en Angleterre? Il a rigolé. Je sais pas. Tu sais pas? Parce qu'il est payé en livres. Cueillir un roule papier toilette déguisé en Dark Vador. Je sais pas. Je suis ton père. Comment mange-t-on un steak d'oiseau? On le mange cuit, 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 cuit. Oh putain! C'est ça, c'est ça! Comment appelle-t-on un pitbull sans boule? Un plus de boule. Que dit un poussin de 500 kilos? Je sais pas. Piou piou. Ah, c'est bon, c'est bon. Tu as craché dessus. Il a craché. Thank you.
Je vais prendre un gaviscon. Le roulant. Mais pour le piou piou. Ah ouais, si. Pour le piou piou. Ah ouais, mais. Il est trop content de sa vanne. Putain, le piou piou là. On était content de te recevoir, c'était avec grand plaisir. Ça, c'est drôle. Magique. Vous l'avez fait éliminer à distance. Merci. Quel rappeur a toujours de la monnaie? 50 cents. 50 cents déjà. Okay. Ouais, c'est ça. 50 cents. 50 cents. Quelle est la voiture préférée des pigeons arabes? Je sais pas. La pigeon. Connais-tu l'histoire de l'homme au 5 gag? Il paraît que son caleçon lui va quand même bien. C'est quoi un arabe dans un chocolat? Je sais pas. Un cadère surprise. Et il y en a une vraie bord derrière la caméra. Monsieur et Madame est défoncé ont trois fils. Comment s'appellent-ils? Je sais pas. Derek, Tom et Jean. Parce que Derek Tom, j'en ai défoncé. Pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Trop défoncé. Eh, celle-là. En France, écoutez, écoutez, hein. En France, on a l'abbé Pierre. Ouais. Portugal, évidemment, qu'est-ce qu'on a? Je sais pas du tout. Mais la bétonnière. Et les ouvriers. Qu'est-ce qu'un stylo qui fait caca? Je sais pas. C'est parce que c'est un stylo qui fait caca. Une crotte de bique. Quoi? S'il te plaît, il boit. Plutôt vert. Tu le fais comme ça? Au pire, ouais. Ça, c'est mieux. Et ouais. Ça va être clair. Et ça, tu... Que faire, chinois qui tombe dans la HLM? Ok, à boire. Chin toc. Je suis sûr qu'elle rigolerait, elle est pas écrite. Mais là ici. Ah, mais c'est toi qui l'as. Oui, elle est pas écrite. Mais c'est sûr qu'elle est. Mais non. Ah, ouais, après, c'est dans les règles, hein, si tu veux le faire. Oh, la tête qu'elle fait. Ah, elle est pas bien. T'as perdu. Au suivant. Amen. Allez, Ben. Qu'est-ce qui prend de la place et qui se connecte en Bluetooth? Je sais pas. Une femme enceinte. Comment font les Somaliens pour se la péter sur la tête? Comment font les Somaliens pour se la péter sur MSN? Bête, c'est parti manger. C'était pas ce côté en plus. Ah merde. Ah mais vite, les fupures. Ah ouais, c'est bon, je peux tenter. Qu'est-ce qu'une longue période sans relation sexuelle? Une frigide air. À boire. Allez, à boire. Il y a une dose qui moi, je te jure. Il y a une dose. Non, que... Pourquoi? Non, comme ça, non, je suis pas bien. Ça va. Il a été gentil. J'ai chaud qu'il faut savoir faire. Je faisais casque. Bah c'est bien ton truc. Je
sais pas si je vais arriver à le dire. Quel est le point commun entre vous? Boire. Mais dis, il adore. C'est quoi une invention? Il est cadeau. Tu récupères, c'est tout. Tu récupères. Toi, toi. Tu récupères. Un petit grog. Quel est le point commun entre Rocco Siffredi et Karl Lagerfeld? Et moi aussi. Ils ont tous les deux une queue de cheval. Il y en a chez nul, là, les deux. Ils ont tous les deux. Le valet. Le Covid, évidemment, c'est en jeu. Je savais pas qu'ils avaient sorti le vaccin anti-Covid. Il a dégueulé. Il y a eu un retour. Eh, faut le finir, hein. Ouais, mais... Ah. C'est bon, t'as pas eu un dixième. Attends. Ouais, un dixième, ouais, mais... Pense à Rocco Siffredi. Pense à... qui te ressemble. Un cheval. Voilà. Un cul de cheval. Du coup, ah, dur, là, ça m'a donné chaud. Ah ouais. Du coup, une journée, tu bois ta tisane. Ça fait pas le même effet, quoi. C'est sûr, sur le fond. Elle était trop dure, cette vague. Ah, ça m'a tué, là. Ce coup de chaud. Allez. Ah, mais c'est. Allez. On peut faire une pause après. Tu vas arriver. Allez, gère animaux. Ah, mais attends là. Ah, il est plus sec. Non. Ah, si. Ah, si, si. Voilà. Tout ça pour conduire ma voiture demain, quoi. Excuse. Il est pas tôt si tu veux. Ça fait chaud. Oui. Ça fait chaud. Mais t'as vu la dose? Le cheval, il dit. Putain, tu nous as la dose d'éléphant, frérot. Attends, le bâtard. La dose d'éléphant. Non, mais là, c'est même plus un éléphant, c'est. Là, c'est. Un mammouth, le truc. Non, mais. Ça chauffe. Ah, mais c'est un truc de fou, là. Les portes sont ouvertes. J'ai pas exprimé, là, je veux plus perdre, hein, je vous le dis. Qu'est-ce qu'un enfant de cœur toujours plus tôt? Un gamin qui court plus vite que le prêtre. C'est dégueulasse. Bon, bah c'est ici que s'achève cet épisode. Un grand merci à Aziz Aboudrar pour le jeu qu'il nous a offert de Tuerie Tu Perds. Nous, on a bien bu. J'ai des yeux tel un gouloum. Je crois que tous sont un peu bien touchés. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à nous mettre un petit commentaire. Nous, on va aller se coucher avec les cheveux qui vont pousser à l'envers. On va bien dormir. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.